sommes en train de vivre une nouvelle course à l'espace et elle est bloquée par ça. Reprenons. Une cinquantaine d'années après les premiers pas sur le sol lunaire, la NASA envisage d'ici 2024 d'installer la Lunar Gateway, une station spatiale en orbite lunaire. En parallèle, la Chine, en collaboration avec la Russie, prévoit d'établir d'ici 2036 une base pérenne sur le sol sélénique. Ces missions lunaires sont vues comme une étape de transition afin de préparer les longues missions habitées vers Mars, et de nombreux pays comme l'Inde ou les Émirats Arabes Unis se positionnent dans cette ruée vers l'espace. Pourtant, loin de ces considérations géopolitiques, il existe un problème commun à tous les pays qui nous empêche pour le moment d'explorer les confins de notre univers. Ça. L'homme est certes la seule espèce sur Terre capable d'envoyer des fusées dans l'espace, mais c'est également la seule à produire des déchets non biodégradables. Et comme nous allons le voir dans cet épisode, leur gestion actuelle nous bloque dans l'exploration spatiale. Les astronautes sont des animaux fragiles qui ne peuvent pas être traités comme les rovers qu'on balance sur des planètes, et pour pouvoir séjourner hors de l'atmosphère terrestre, les astronautes doivent recréer des conditions viables, une sorte de bulle qui leur permet de survivre à d'innombrables dangers comme le vide spatial, les températures extrêmes ou les rayonnements solaires. Cette bulle doit être la plus étanche possible et se rapprocher d'un système fermé, qui ne réalise que peu d'échanges avec l'extérieur. La Station Spatiale Internationale, donc ce laboratoire scientifique en orbite terrestre, est pour le moment ce qui se rapproche le plus de cette bulle artificielle, et représente le top de ce qui se fait en exploration spatiale non robotique à l'heure actuelle. Matériel, nourriture, eau, oxygène, tout est millimétré à bord pour assurer la survie de ces voyageurs, et tout ça constitue déjà une prouesse technologique, mais on est quand même assez loin d'un système fermé autonome. Prenons par exemple les repas des astronautes, qu'ils mastiquent allègrement dans cet aquarium qui orbite à 400 km au-dessus de nos têtes. Les aliments sont préparés sur Terre et emballés dans des boîtes ou des films plastiques qu'ils emmènent avec eux lors de leur départ pour la station, et ils sont régulièrement réapprovisionnés via des vaisseaux cargo qui sont acheminés depuis la surface. Comme il faut environ 800 kg de nourriture par astronaute par an, et que l'envoi de marchandises en orbite terrestre chiffre autour de 10 000 $ par kilo, selon mes calculs très précis, on arrive à un budget livraison assez solide. Une fois ces plats consommés, les déchets, donc emballages et excréments, sont compactés dans des sacs hermétiques avant d'être embarqués dans les navettes cargo de ravitaillement. Ces navettes ne retournent pas sur la Terre ferme, elles sont renvoyées en orbite pour être pulvérisées à leur entrée dans l'atmosphère, les débris tombant au-dessus de l'océan Pacifique. Tout ça vaut d'ailleurs pour tout le reste. Faute de pouvoir laver les vêtements sales, par exemple, ils sont bazardés pour économiser de l'eau. Des nouveaux habits propres leur sont en fait régulièrement envoyés depuis la surface. Les astronautes transforment ainsi une grande partie de leurs déchets en étoiles filantes, ce qui est peut-être poétique, mais aussi sous-optimal et peu écologique. Dans l'ISS, le problème est saillant parce que chaque passage aux toilettes représente des milliers d'euros qui partent littéralement en fumée, mais bon, évidemment, ces thématiques nous concernent aussi. Pour faire le parallèle avec notre situation sur Terre, c'est l'équivalent d'enfouir ces déchets. On ne les valorise pas, on les sort juste du système, et on voit bien que la solution se trouve dans le recyclage. L'ISS est donc loin d'être une bulle étanche où l'entièreté de la matière est recyclée. C'est un système ouvert qui est dépendant de la Terre. Et c'est problématique quand on pense exploration spatiale et qu'on souhaite un jour poser une base sur Mars. Sur la planète rouge, ou sur un astre encore plus éloigné de la Terre, il est impossible de dépendre d'un ravitaillement régulier, et la stratégie de nourrir l'équipage entièrement à partir d'aliments préalablement stockés pour l'ensemble du voyage serait très coûteuse. La NASA estimait par exemple qu'il faudrait 10 tonnes de bouffe pour nourrir 4 astronautes partis dans une mission de 3 ans sur Mars. Si on rapporte au prix du kilo, ça alourdit tout de suite le budget de l'expédition. D'autre part, la NASA s'est également fixé comme objectif éthique de ne pas contaminer l'espace, ce qui veut donc dire ne pas balancer ses déchets pendant le trajet Terre-Mars, comme on le fait actuellement dans l'atmosphère terrestre. Et stocker les déchets, notamment biologiques, pose de sérieuses questions de contamination. Les volumes de fluides organiques rejetés par un équipage atteindraient rapidement le mètre cube. Bref, les astronautes doivent donc partir en étant 100% autonomes et gérer efficacement leurs déchets, et les solutions développées là-haut pourraient bien nous aider à la surface également. En France, par exemple, un Français moyen va produire 580 kg de déchets domestiques par an, et si le but est de réussir à les transformer de nouveau en matière première, il y a encore quelques progrès à faire. Mais il y a des bonnes nouvelles du côté de l'ISS. Pour l'eau et l'oxygène, on obtient déjà des résultats très intéressants dans la station où ces fluides sont gérés par deux systèmes. Le Water Recovery System et l'Oxygen Generation System, qui sont intégrés au système de support vie qu'on appelle ECLSS. L'ECLSS est un ensemble de sous-systèmes qui permettent de maintenir un environnement viable. Pour faire simple, c'est le panneau de commande de la bulle dont on parlait plus tôt. L'eau fonctionne ainsi en circuit quasi fermé.
Et c'est un système qui est assez efficace, car plus de 80% de l'eau sur la station est recyclée. Chaque goutte est récupérée pour être traitée par le système, ce qui inclut l'urine, la sueur, la condensation, etc. D'ailleurs, petit fun fact, les Russes ont pendant longtemps possédé leur propre système de filtration de l'eau, tout ça parce qu'ils ne voulaient pas boire celle qui était recyclée à partir de leur urine. Le fonctionnement du système OGS est, quant à lui, assez similaire à celui des sous-marins nucléaires. Le dioxygène est obtenu par électrolyse de l'eau, l'électricité étant fournie par les panneaux solaires qui sont sur les ailes de la station. Un dernier rack, nommé ACLS, vient convertir le CO2, qui est rejeté par la respiration de l'équipage, en eau, ce qui permet de réduire le réapprovisionnement depuis la Terre. Côté fluide, on s'en sort donc plutôt bien. Ce sont les déchets solides qui sont un peu plus problématiques et qui nous freinent pour l'instant dans cette quête d'autonomie. Différentes équipes de recherche se penchent sur la transformation des matières solides et l'un des projets les plus prometteurs est un prototype de conversion de déchets en gaz de propulsion. L'idée de ce projet, qui s'appelle OSCAR, est de transformer les emballages, les vêtements usés et tous les autres déchets encombrants en gaz à forte valeur ajoutée, en les embrasant à très haute température. La combustion de ces déchets va produire principalement du méthane, qui peut être ensuite réinjecté dans un système de propulsion. Sur Terre, des procédés similaires sont utilisés aujourd'hui dans des usines d'incinération pour les déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Pour limiter l'enfouissement, on valorise environ 30% des emballages ménagers sous forme d'énergie de combustion, par exemple. Mais valoriser la matière est beaucoup plus intéressant que valoriser l'énergie, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. L'ISS est ainsi doté d'un projet qui s'appelle Refabricator, un système de recyclage et d'impression 3D des plastiques en microgravité. Ce prototype se trouve déjà sur l'ISS et est à l'étude pour recycler les emballages plastiques des provisions de l'équipage et en faire du matériel ou des pièces de rechange. C'est l'équivalent miniature d'une filière de recyclage de plastique dite mécanique. Sur Terre, on prend une bouteille ou un flacon, on le nettoie, on en fait des granules qu'on fond et qu'on transforme dans une nouvelle bouteille. Tout ça est très stylé, mais ça ne marche qu'avec des emballages simples et bien identifiés, souvent des plastiques monomatériaux. Le problème, c'est que nos emballages peuvent être composés de plusieurs matériaux différents. Différents plastiques, de l'aluminium, etc. Et tout ça rend le recyclage mécanique parfois difficile. Et c'est pour ça que des procédés alternatifs sont développés, comme le recyclage chimique, qui permet de traiter des plastiques plus complexes, et qui auraient fini enfouis ou incinérés. L'idée de ce traitement est de réduire les plastiques en monomères, l'unité fondamentale de leur fabrication. Ces monomères peuvent être ensuite associés entre eux par polymérisation pour recréer de nouveau des plastiques. Si je fais cette digression, c'est que seulement 30% des emballages plastiques sont recyclés sous forme de matières premières, et qu'une partie des solutions pour augmenter ce pourcentage sont aussi technologiques. Et certaines de ces technologies pourraient venir de la course à l'espace. Au-delà de ces démarches de recyclage, les scientifiques en charge des missions spatiales mettent également en place des stratégies d'éco-conception. Là, il est question de prendre en compte les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit et de les intégrer dès sa conception. Donc, avant de concevoir un truc, on essaye de prévoir comment est-ce qu'il va être fabriqué, transporté, éventuellement réparé et recyclé. Un exemple assez frappant est une des expériences du CNES que Thomas Pesquet a emmené avec lui dans l'ISS. Edible Foam. Il s'agit là de concevoir les trousses de transport de matériel pour qu'elles soient comestibles. Ici, en l'occurrence, des mousses en pain d'épices. Sur Terre, ce type de projet gagne tranquillement du terrain. Des entreprises travaillent à concevoir des emballages plus écolos, les initiatives citoyennes zéro déchet se multiplient, et globalement, on parle de plus en plus des 3 R, réduire la quantité de déchets, réutiliser les objets et recycler les matières premières. Même dans l'espace, la logique n'est donc pas de jeter tous les trucs dans un recycleur, mais aussi de repenser notre rapport au cycle de vie des objets dès leur conception, le meilleur déchet restant finalement celui qu'on ne produit pas, ou qu'on mange. L'idée derrière ces différentes approches est donc de fermer la boucle afin d'obtenir des systèmes les plus autonomes possibles. Et depuis les années 90, il y a un projet de l'Agence spatiale européenne dont on entend beaucoup parler, le projet MELISSA. C'est un projet de système de support vie 100% autonome et circulaire. L'objectif est de recréer, au sein d'un vaisseau, un écosystème fermé qui repose sur différents organismes, principalement des algues et des bactéries. Inspiré d'un lac, MELISSA fonctionne avec un ensemble de bactéries afin d'assurer plusieurs missions. Le recyclage des déchets, le recyclage des eaux usées, la régénération de l'oxygène, la production de nourriture in situ et hors sol. Techniquement, c'est un ensemble de 5 réacteurs ayant chacun une fonction précise. Les déchets organiques, les restes de nourriture, d'urine, de matière fécale, sont dégradés par des bactéries afin d'être utilisés comme compost. Cet engrais va servir à nourrir des plantes, des légumes par exemple, qui vont capturer le CO2 et rejeter de l'oxygène et de l'eau via la photosynthèse, ce qui permet de manger, boire et respirer.
Pour le moment, cet écosystème n'a été testé qu'à l'échelle de rongeurs, et il reste encore du travail à faire pour le rendre viable dans l'espace. Mais c'est un projet qui fait beaucoup de bruit, car il est considéré comme un modèle réellement abouti de circularité. Quoi qu'il en soit, l'autonomie nécessaire pour les programmes habités ne pourra se faire qu'en transitant le plus possible vers la gestion complète des déchets, tout l'enjeu de l'exploration spatiale humaine étant de boucler la boucle au maximum. Au vu de la crise sanitaire, économique, climatique que l'on voit actuellement, envoyer des hommes coloniser l'espace peut paraître une perte de temps et d'argent considérable. Mais si on prend du recul, notre planète elle-même peut être vue comme un vaisseau spatial dont l'humanité serait l'équipage. D'ailleurs, du point de vue des ressources, la Terre est un système écologiquement fermé. Nous rencontrons ainsi les mêmes problématiques que les astronautes et les scientifiques qui tentent de fermer les systèmes, mais à plus grande échelle. C'est pour ça que atteindre la Lune ou Mars n'est pas vain, et que ça aura des retombées technologiques sur nos problématiques environnementales. Et c'est déjà d'ailleurs le cas en fait. De nombreux transferts de l'industrie spatiale s'articulent déjà avec des applications terrestres, notamment sur des problématiques de gestion des déchets, de recyclage des eaux usées ou de l'alimentation. Perso, j'ai déjà vu les retombées du projet Mélissa en Centrafrique, où il existe des projets pilotes qui cultivent des algues pour fournir des compléments alimentaires sur place. À l'image des astronautes, si nous souhaitons que notre voyage à bord se prolonge, nous devons changer nos mentalités et poursuivre les efforts entrepris pour fermer cette bulle que nous avons percée. Et cela, que ce soit à l'échelle du citoyen, en accentuant nos efforts sur la réutilisation, le tri de nos emballages pour recycler plus, mais également à l'échelle des entreprises et des industriels, en trouvant des solutions innovantes permettant d'inclure plus de circularité et de limiter l'impact environnemental sur ce que nous produisons et consommons. Lorsque nous atteindrons la planète rouge, la question se posera sérieusement entre coloniser et exploiter, ou bien observer et préserver afin de mieux comprendre notre place dans l'univers. Espérons que notre expérience avec la planète bleue nous fera faire les bons choix. D'ici là, il s'agit de prendre soin de notre propre système de support vie, la Terre. Cette vidéo est un partenariat avec Citeo, une entreprise à mission à but non lucratif qui travaille avec d'autres entreprises pour les aider à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers. Leur but est en fait de faire en sorte que tous les emballages et papiers soient correctement gérés via les fameux 3 R dont on parlait précédemment, et également de sensibiliser un maximum de gens à adopter des comportements éco-citoyens, comme le tri ou éviter d'abandonner les déchets, tout ça quoi. Et du coup ils ont fait appel à moi pour vous en parler. Et moi j'avais envie de parler d'un truc méconnu dans le monde du spatial, donc on a fait top là, et puis voilà. Citeo travaille sur trois axes. L'innovation, pour inventer des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies de recyclage et ainsi de suite, l'accompagnement des entreprises dans l'éco-conception de leurs emballages, et la simplification du tri pour permettre à tous les Français de trier tous leurs emballages et les papiers. Et il est donc fort probable que vous ayez déjà travaillé avec eux sans le savoir. Sur ce, je vous dis à toutes, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut !